Il est 9h, on vient de se réveiller à l'hôtel qu'on a pris à côté de l'aéroport. Alice prend sa douche et on va aller déjeuner et partir direct à l'aéroport parce qu'on est au vol à midi. Nous est arrivé une petite mésaventure avec Alice. J'ai perdu mon passeport mais je l'ai retrouvé. Dans notre super avion, prêt à embarquer pour 10 heures de vol en direction de Shanghai. Ouais. Et l'avion, il est vraiment fou. Ce matin, on s'est levé, on a pris un super petit déjeuner avec vue sur la piscine. Et là, on a pris un grab et on se rend à Kuta. Voilà, on va faire les boutiques et voir un peu de la vie, ça va être cool. Du coup, on s'est baladé un peu dans Kuta. On a fait pas mal de shopping avec Alice. Et là, on a rencontré Ali Driver qui nous a amené dans un petit wagon. Mi goreng. Mi goreng. Mi goreng. Mi goreng. Mi ayam. This is mi goreng. Yeah. Okay. So, du coup, j'ai pris des nouilles et du poulet. Et Alice, elle a pris une soupe avec du poulet, je crois aussi. Genre 40 minutes de route pour venir à notre hôtel qui est à Balanga Beach depuis Kuta. Il fait tout nuit alors qu'il est genre juste 19h, c'est ouf. On a pris un petit smoothie, trop bon, trop frais, les fruits ici sont vraiment ouf. Et là, en fait, il y a une petite plage, genre où il n'y a personne juste en face de nous. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, genre c'est ouf. Et du coup, on va essayer de s'aventurer et descendre. Bon, c'est parti, on vient d'arriver à One IT. Et c'est genre une sorte d'hôtel et il y a une petite piscine sur une falaise, ça va être trop trop bien. Une grande piscine. Non, ça a l'air fou, en plus là on nous emmène en petite voiture de golf là. Voilà. Je sais pas comment on dit. En voiture, ouais. Bon, la vue est juste oufissime. Genre là derrière c'est des falaises et tout. Et là il y a la petite piscine du coup qui déborde sur la falaise. Ah, et on est genre installé avec la vue. Non mais c'est ouf. Oula. Oh. On vient d'arriver à la petite plage Padang Padang avec Alice. On a payé 15 000 d'entrée, du coup c'est l'équivalent d'un euro, mais c'est assez équipé. Après par contre c'est hyper touristique. Là il y a pas mal de monde derrière. Mais c'était trop trop cool, l'accès c'est des escaliers. On a vu des petits singes, trop mignon. Et là-bas j'ai vu, il y a des coconuts fraîches. On se demandait quel moyen de transport on allait prendre à Nusa Penida, soit partir sur des taxis ou alors prendre nos propres scooters. Et bon, on va essayer, on va faire comme les locaux. Du coup là trop trop bien, on a trouvé un mec sympa en fait, on lui a expliqué que bah, moi j'avais jamais fait de scooter et il m'a entraîné et tout, et c'est bon, je me sens prête, on va prendre de petits scooters et là on part direction l'hôtel.
On a déposé nos affaires à l'hôtel, on a bien mangé. On loge à l'MP Jungle Cottage. En fait, c'est plein de petits bungalows à côté, c'est tout mignon. On voit que c'est genre quasiment neuf. Du coup, je pense qu'on va être plutôt bien. Et là, on part en vadrouille à Attu Beach. Il y a la vue devant, regardez. Trop beau. Ici, les paysages, ils sont magnifiques. Comme on est genre grave en hauteur, on voit à chaque fois l'eau au loin et tout. C'est ouf. Regardez la vue. Oh, c'est trop bien. On est arrivé à Attu Beach après avoir fait une sacrée descente quand même, j'avais les coups de sueur et tout. Et là, la plage, elle est juste magnifique. L'eau, elle est trop belle. L'MP Jungle and Resort, où du coup le bungalow on était juste avant. Je crois qu'on a fait genre une heure et quelques de route là en scoot et on vient d'arriver à notre prochain petit bungalow. Trop mignon, il y avait des petits enfants qui allaient à l'école sur la route, c'était trop choupi. Le trajet s'est bien passé juste un moment, mais j'ai été me faire aider par des Américains parce que j'étais coincée, il n'y a plus de route. Voilà à quoi ressemble la descente pour l'instant. Et apparemment après ça va être pire, mais déjà la vue elle est trop bien. On vient de là-haut, il y a encore un peu de gens qui arrivent. Est-ce qu'on a fait la moitié là? Non. On a fait le quart. Bah, on a fait la descente. J'ai des gouttes de sueur sur mon nez, mon menton carrément. Montre-leur toi. Juju Cracra, présentation. Je vous prie de vous retourner et me montrer cette magnifique tache de caca. Merci. Bon, on a bien profité. On n'a pas trop pu se baigner parce que les vagues, elles étaient franchement beaucoup trop violentes. On a tenté des chemins un petit peu comme vous pouvez et là c'est parti, on va monter. Alors là, on part genre là-haut. Alors déjà à l'aller, j'avais les gouttes de sueur et tout, mais alors là au retour, je vais mourir fois deux et tâcher encore plus ma super combi. Bon, on vient de là, la plage où on était tout à l'heure. Et là, on va encore monter, mais la vue là, elle est... ouf. Et regardez-moi, ceci est de la sueur réelle. Ici. Oh mon dieu. Et on s'est levé à 7h du matin pour avoir le temps de profiter des dernières petites pépites de Nusa Penida. Parce que hier du coup on a fait que Killing King Beach. Aujourd'hui on va faire Angels, Billabong et Broken Beach. On vient d'arriver à Angels, Billabong. Apparemment c'est fermé. Je sais tout faire donc.
on vient d'arriver au port, là où on va prendre notre bateau pour repartir sur Bali. On avait prévu 2 heures de scoot et en fait on a été beaucoup plus rapide que ça, du coup trop trop bien. Les routes elles étaient encore un peu neuves, on a eu un peu décaboussé mais on s'en est super bien sorti. On a rendu les scoots là, il a même pas regardé, du coup super. Et là on va profiter un peu de l'eau turquoise derrière avant d'aller prendre notre petit bateau. Négocier des scouts à Ubud, ça y est on est des pilotes, du coup ça coûtait moins cher que le Grab et on s'est dit ça s'est bien passé à Nusa Penida donc autant gagner des sous ici. Il n'y a aucune raison qu'on se scratch à Ubud et pas à Nusa Penida. Du coup là on vient d'arriver à la forêt des singes juste derrière moi. Alors il y a un mec, il a perché son drone là-haut et là il y a un des employés qui est en train de monter pour aller récupérer les drones, mais c'est J'espère qu'il aura un putain de pourboire parce que là... Bon, on est parti de Ubud il y a 2 heures et on vient d'arriver à Tirtha Ganga si je ne me trompe pas. C'est une sorte de palais aquatique, c'est magnifique. Ouais, il y a des gens qui se baignent. Ouf. Alors moi je n'oserais pas me baigner parce qu'il y a des... C'est énorme, vraiment énorme poisson. On vient d'arriver à Lempoyang Temple. En fait, on a voulu monter en scoot jusqu'à l'entrée. On se fait un peu recale. Voilà, il faut porter le sarung pour pouvoir rentrer en haut. En fait, on a un numéro pour aller faire la photo à la porte qui est juste là derrière. Et ouais, c'est juste magnifique. Et vous pouvez voir tout le monde qui attend. Je crois qu'ils sont tous devant nous pour la photo. Bon, là en fait au milieu il y a les mecs qui prennent les photos et qui appellent les numéros. Bon, il est 2h du matin. Avec Alice on vient d'émerger, le réveil était dur et on part pour l'ascension du mont Batur. Bon, on est en train de mourir, mais on y est les gars. Oh. Oh. Dernière matinée ici à Ubud, on va se promener un peu dans les rues et profiter à fond et ensuite on part direction Changwon. Comment ?
Bon, dernière journée à Bali. Ce matin, on a surtout fait genre du scout pour aller découvrir toutes les petites adresses qu'on voulait encore tester. On a fait Kind Community pour le breakfast. Après, on a testé Coffee Cartel. Et là, on a fait une petite auberge de jeunesse qui était juste à côté de notre villa. On a profité de la piscine et tout, tranquille. Et du coup, il faut quand même que je vous montre les coups de soleil que j'ai eu aujourd'hui. Genre là, on voit genre trop pas la délimitation. Le pire, c'est mon colis en fait. Et les jambes. Voilà, et là on adore la trace du téléphone. Parce qu'en gros, quand je conduis, j'ai mon téléphone comme ça pour faire le GPS. Là, on a une copine des chiens. Bon, on arrive à l'aéroport, c'est déjà la fin. Là, il est genre 23h et on a notre vol à 1h30 du mat, les gars, pour Shanghai. Et on pourra profiter, on va rester 16h là-bas. Et après, on repart sur Bordeaux. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport de Shanghai. C'est pas la même ambiance. J'ai déjà sorti la doudoune et les wamanchung. On a eu de la chance parce que notre visa 24 heures a été accepté parce que, en fait, là on est le 27 et notre vol il est demain, genre minuit 30. Du coup, c'était pas le même jour donc c'était chaud. Elle nous a dit qu'on était chanceuse. Blablabla. On a fait un petit dodo. Et là, on va aller rejoindre l'équipe Northern pour faire des photos.